Les médecins utilisent souvent des endoprothèses métalliques pour traiter les maladies cardiaques. Mais il y a un inconvénient, l'endoprothèse cardiovasculaire traditionnelle reste à jamais dans le cœur. Des chercheurs portugais et chinois développent actuellement une endoprothèse biodégradable avancée pour y remédier. Les innovations pour nous, c'est de fabriquer des produits biodégradables. Nous avons fabriqué un revêtement qui ressemble à une éponge, ainsi on peut administrer de nombreux médicaments et biomolécules facteurs de croissance qui peuvent permettre la cicatrisation des vaisseaux sanguins. Depuis que le Centre commun d'innovation a été construit par les gouvernements portugais et chinois en 2013, plus de 20 experts portugais sont venus effectuer des recherches. En plus d'étudier les matériaux avancés, ils travaillent également avec 20 entreprises nationales pour transformer la recherche en produits concrets. Avec l'aide de la technologie de ce centre d'innovation Portugal-Chine, nous avons grandement amélioré la compétitivité de nos produits. Par ailleurs, le centre fournit également une fenêtre pour présenter nos produits à l'étranger. Donc, depuis la technologie jusqu'aux canaux du marché, nous bénéficions tous de cette collaboration. Le centre a mis en place 4 programmes de recherche couvrant les matériaux biomédicaux, les nanotechnologies, l'énergie et les matériaux écologiques. Le directeur Jijian n'a pas manqué de déclarer qu'il était facile d'être créatif lorsque l'on travaillait avec des chercheurs portugais. Les Portugais sont très ouverts et coopératifs. Donc, si on a de nouvelles idées, on obtient toujours une réponse positive. Je pense donc que c'est vraiment important pour la coopération. Le Portugal est l'un des partenaires clés de la Chine au sein des pays de l'Union européenne. Avec la visite du président chinois Xi Jinping au Portugal, de nouveaux accords devraient être signés dans des secteurs comme la finance, les infrastructures et l'éducation. Alors que le Portugal poursuit sa collaboration scientifique et technologique avec la Chine, cette université, cette institution de recherche et ce modèle trilatéral devraient transférer des technologies plus avancées et produire des traitements médicaux et des équipements permettant de sauver des vies pour le monde entier.